Non, non, t'inquiète, ça va, c'est juste ma journée qui est un peu chiante, quoi. Mais t'inquiète, je vais que réviser aujourd'hui. Demain, je passe à 14h30, je crois, si je dis pas bêtise. Ouais, ok, ça marche. À ce soir, mon cœur. Je t'aime. Qui êtes-vous? Répondez-moi, qui êtes-vous? Vous êtes qui, putain? Je vous prie de rester calme. Je le serai seulement quand vous allez me dire qui vous êtes. Vous venez de dire quoi là? Gardez votre calme. Notre venue n'est pas anodine. Nous sommes là pour négocier. Malheureusement, nous ne connaissons pas votre dirigeant. Alors nous vous avons repéré au loin et nous avons tout essayé pour avoir un contact avec vous. Écoutez, je suis pas la bonne personne. Vous pouvez peut-être parler avec mon dirigeant ou je sais pas, mais je peux vous aider peut-être si vous voulez le trouver. Votre espèce est-elle si peu courageuse? Dirigeant ou non? Excusez-moi, mais vous êtes là pourquoi? Nous sommes une espèce lointaine qui est à la recherche d'une planète pour pouvoir stocker nos ressources, car nos réserves sont pleines. Et c'est avec regret que notre dirigeant est décidé de devoir choisir une nouvelle planète où il est compatible d'y stocker nos ressources. Votre planète en fait partie. Seulement, nous voyons que votre planète est habitée. Nous exigeons que si les êtres vivants sur cette planète n'ont aucune raison d'être épargnés, nous avons l'autorisation de tout réinitialiser. Non mais vous vous rendez compte de toute la culpabilité que vous me donnez? J'en tiens compte. Je vous écoute. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Nous, on est une espèce qui fait qu'évoluer. On n'est pas encore au point de construire des vaisseaux spatials ou... Mais peut-être un jour, qui sait? Et nous, on prend plaisir à vivre et à profiter parce qu'on n'a qu'une seule vie. C'est insuffisant. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Oui, bien sûr, enfin, moi je suis respectueux. Vous mentez. Je vous demande pardon? Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je le vois. Je le ressens dans votre énergie. Je vois de la violence et de la diffamation. Je vois un grand nombre de guerres et de guerres actuelles. Je vois des armes. Je vois un environnement qui se dégrade. Et je vois que la paix, ainsi que le respect total de votre espèce, n'a pas vaincu. Expliquez-moi en quoi il est utile d'épargner une espèce qui est en guerre et qui dégrade sa propre planète. Je sais pas. Nous pouvons raser toute votre planète en un seul instant. Voulez-vous vraiment que j'exécute cette manœuvre? Non, non, non.
Alors dites-moi pourquoi. Écoutez, je... Vous dites que qu'il y a eu des guerres et qu'il y a de la violence. Moi, je suis pas comme ça, et il y a plein de gens qui sont comme moi. Bon, tout ce qu'on cherche, nous, c'est convertir les gens, mais malheureusement, on les a pas encore tous convertis. Mais on essaye. Vous êtes l'espèce la plus étrange que j'ai rencontrée. Vous êtes pathétique. Vous n'avez rien à nous apprendre. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Votre façon d'être me laisse perplexe. Je suis sûr qu'on a. Je suis sûr que nous on a un truc en plus que vous. Je vous parle pas de technologie là. Ça on s'en fout, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est. C'est tout ce qui est humain, tout simplement. Qu'avez-vous à nous apprendre? Je sais pas par où commencer, c'est. Et l'amour? Vous connaissez ça, l'amour? Pouvez-vous répéter? L'amour, c'est tout simplement la base de l'humanité. Nous ne connaissons pas ces choses. Normal, vous, tout ce qui compte, c'est la technologie, vous connaissez rien d'autre. Vous n'avez pas d'interaction avec vos proches. Nous ne connaissons que le respect. C'est déjà pas mal. Nous vous épargnons. Je vous souhaite bonne chance pour établir la paix et le respect sur votre planète. Merci pour tout. Adieu.